Parce qu'on ne peut pas trimballer tout un peuple dans un contrat de deux individus. On ne peut pas nous prendre en otage. Juridiquement, c'est-à-dire dans un problème, tu sais, de ce n'est pas en bonne et difforme, requête nanga, elle est recevable et fondée. Bah, écoute, donc, a fait donc, bah, invalider X personnes, bah, remplacer, na ouera son, le ministère public, au monde entier, autorité morale, il y a FCC. Na lingita, un jour, n'est pas membre FCC, bah, na kingakati, faut tout na bango. Qu'est-ce qui ne va pas avec ouera son? Qu'est-ce qui ne va pas avec ouera son? Bazo benga, c'est-à-dire, y'a ma sina kingasani, bah, lui, faut pas quitter la cour. Bonjour, bonsoir, bienvenue chers fidèles abonnés dans votre émission préférée Coup de Projecteur et dans votre chaîne qui vous informe à temps réel qui est le www.congodialogue.com. Et mes salutations vont tout droit à la coordonnatrice de cette grande chaîne qui est Madame Francine Gembe de la Belgique, ainsi que vous, chers fidèles abonnés, qui se donnent la peine de nous suivre et de nous prêter votre attention pour suivre nos programmes, nos différents programmes sur cette chaîne qui est le www.congodialogue.com. Bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Coup de Projecteur qui est présentée par votre humble serviteur qui est à la personne de Thierry Mboli. Aujourd'hui, nous sommes venus vous parler, partager avec vous un sujet très capital pour notre pays qui est la République démocratique du Congo et précisément dans la structure, dans l'institution de l'armée nationale congolaise. L'armée nationale congolaise est infiltrée par un élément de l'armée rwandaise à la personne de Faustin Kanyeshuri. C'est un soldat rwandais qui avait infiltré les forces armées de la République démocratique du Congo et il avait tué donc à Bomaki deux soldats congolais. Précisément, la Kati, il y a camp, il y a entraînement, il y a Moura, Nalikasi. Na les grands Katanga, na Boutou, il y a le 29 et le 30 juillet passé. Alors, cela nous amène à réfléchir et à comprendre comment na kati ya structure la sensible le quoi la armée nationale qui a un infiltré pas de notre pays mais d'un pays que nous avons toujours soupçonné comme étant un pays où azali ko tia insécurité dans mboka na biso. Un pays où azali ko créé bah problème toujours et toujours na kati ya mboka na biso qui est le petit Rwanda, mais un élément de l'armée rwandaise a infiltré l'armée congolaise tina kati ya camp d'entraînement et puis a bomi deux de nos soldats. Donc c'est quelque chose qui nous amène un peu à réfléchir et aujourd'hui peut-être nous pourrons dire que Bato Bagamara haut et fort que la République démocratique, ceux qui est allés assiégés par le petit Rwanda, c'est sûrement qu'il y a aussi de traîtres. Il y a des gens au Bazali qui facilité envahissement, il y a rebelles, il y a armée rwandaise, dans le territoire congolais. Alors, ils allaient moi pas si comment on a que un élément non identifié a infiltré armée. Et puis plus pire encore, abomi des éléments et armée congolaise. Et ça nous amène un peu à réfléchir. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nos autorités font réellement pour protéger le territoire national? Ceux qui déjà armés, ils allaient censés à protéger le territoire national, ils allaient infiltrer par des éléments étrangers. Et surtout pas n'importe lequel. Aoutinakati Yamoka Oyoyo, jours et nuits,
le monde entier baebi que tozara envahi par le petit Rwanda. Alors eza mwamawa et pesa ki passi et ezali sujet moba réflexion pendant ko luka hotel ça ba na ba autorité na biso que le pays ce qui plutôt le pays n'est pas suffisamment sécurisé pour preuve tout le monde dit que un élément il y a armée étrangère a infiltré l'armée nationale congolaise pe a Bumi bah élément il y a armée Nabisso. Alors sans pour autant trop parler, je vous invite à suivre cet élément qui est fait par la presse de l'armée nationale congolaise et voilà une intervention il y a commandant il y a 6e région militaire qui est monsieur Michel Ekuchu oyo à lobby nakati élément oyoyo pour que vous ayez un peu une image par rapport à ce qui s'est passé na camp d'entraînement il y a Moura na Likasi na Grand Katanga. Suivez, on se retrouve juste après. Il s'appelle Faustin Kanyeshuri, originaire du Rwanda dans la province de Gisenyi. Tenez, ce soldat rwandais est parti de la forêt de Walikale jusqu'à Kamina. Il a été arrêté à Kabongo après avoir tué 2 militaires congolais au centre d'entraînement de Moura à Likasi. C'était dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Il tentait de regagner son Rwanda natal. Et après l'arrestation, il a été ramené à Lubumbashi. Général Michel Ekuchu Ndenga, commandant 6e région militaire, fait le point sur cette arrestation. Tujue kama ni ya kweli huko Rwanda unayo Rwanda. Identité yangu naweza la mungini yako. Naweza préfecture ya Kisenyi. Commune Mutura. Secteur Kakara. Série ya Kola. Dans la nuit du 29 au 31 juillet au centre d'entraînement de Moura à Likasi, les soldats ici présents Kanyeshuri, le nom est clair, Foster Gilbert, de la même unité, donc du centre d'entraînement Moura, avait tué le premier sergent Bouhendwa Clément, opérateur de service, et le soldat Kalemba Kashawa, apportant à l'occasion, comme je l'ai dit à Lingala, une phonie et puis un panneau solaire, la phonie de marque Kodan. Les investigations menées par nos services de renseignement et justice militaire, avec les concours indéniables de la population, ont permis de mettre la main à Kabondo sur ces militaires criminels, sur sa trajectoire de fuite vers une destination que lui seul connaît. Ainsi, je tiens à rappeler aux militaires indisciplinés et autres criminels que leur place est à prison dans le respect des lois et règlements ainsi que des instruments internationaux ratifiés par notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont infiltrées à haut niveau. Voilà ce qui nécessite une bonne collaboration avec la population pour mettre la main sur les ennemis de la nation en cette période où la RDC est victime d'agressions dans sa partie est. Voilà, chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur, Madame Francine Guende de la Belgique, Maître Freddy Biangan de Depuis Paris. Je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'attention cet élément de plus ou moins 2 minutes qui a été fait par la presse de l'armée nationale congolaise. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention, vous avez vu, c'est Faustin Kanyeshuri qui est un élément de l'armée rwandaise qui avait infiltré la nuit à 29 et 30 juillet dernier le force d'armée de la République démocratique du Congo. Vous avez trouvé qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est là des points à Moutouna Nenge à Komonela. Mais pour toute personne qui a l'intérêt particulier na au Etali Bongo sécurité nationale ya Mboka na Biso, il faut ça la passe. Il faut et amener Batuna réflexion pour qu'on se pose la question réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Pour Bazouba, c'est quelqu'un qui est venu de nulle part, place à Ebani, à Outeli et Ebani. Et puis quand il a fait commis ses forfaits, on tua 2 de nos éléments de l'armée, des forces armées nationales, il y a Congo démocratique qui est notre pays. Moutoualingi Akimae, Aibina Radio,
radio, je crois que c'est un élément. Monsieur Michel Ekuchu a lobby un élément. Alors c'est très pénible. Et au finish, je crois que commentaire, il y a un des confrères, un des journalistes armé, il a dit que, il a signifié que, Bazo reconnaître que l'armée est allée infiltrée à haut niveau. Parce qu'ils reconnaissent que l'armée est infiltrée à haut niveau, que prennent-ils comme disposition sécuritaire pour en savoir que notre armée est infiltrée? Parce que quand une armée nationale est infiltrée par des étrangers, par des éléments étrangers, de l'armée étrangère, de l'armée étrangère, déjà c'est là pour la suffisance que le pays ne sera pas en sécurité. Bah, tu vas continuer au Koufaka. Parce que quand vous avez un plan pour attaquer un ennemi, mais pour ça qu'on attaque, vous ne trouvez pas que ça ne colle pas. Même le plus débile, le plus soba pour comprendre logique OET. Donc cet élément que je vous rebalance encore pour que vous imprégniez encore plus davantage dans Ndenge, élément de la force armée Balobeleli, moi je trouve qu'il y a de quoi réfléchir, de quoi Koulouka Yeba. Le socle, le place problème est Zouta. Parce que, en reconnaissant que l'armée est allée infiltrée à haut niveau,